Choose your character! À tous ou bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode sur Dishonored 2. Alors en off, j'ai volé plein de gens, j'ai mis KO tous les superviseurs et j'ai tué tous les molosses, tous les chiens pour cats, voilà. Et j'ai volé aussi, comme vous avez pu le voir dans l'intro, la marchande. Je tiens à dire que la marchande avait tué son mari qui était au-dessus. Elle a même demandé des dons pour un orphelinat. Elle a pris les sous en faisant croire qu'elle voulait faire un don pour l'orphelinat. Donc c'était une mauvaise personne, la marchande. Du coup c'était une grosse connasse, du coup j'avais le droit à la voler, voilà. Pour une fois que j'ai le droit de voler une marchande, là on peut rien dire, vous avez rien contre moi cette fois-ci. Et aussi en off, je suis retourné dans l'appartement de Corvo parce que je me suis dit que j'avais oublié un lieu. Oui, j'ai oublié un petit endroit, la chambre. Et j'ai trouvé le journal de la maman de Corvo. Attendez, je vous laisse lire pendant que je suis en train de remettre mon casque. Bien comme il faut. Voilà. J'ai retrouvé le journal de Paloma Atano, la maman de Corvo. Et apparemment, on découvre que Corvo a une sœur. Voilà, je vous laisse lire en faisant pause. Voilà, moi le reste, j'ai volé tout le monde et tout. Attends, j'ai pas pris les infos sur l'ancien duc apparemment qui était gentil. Tu veux que je te guide? Que je t'aide à trouver la voie? Non. Perdons-nous ensemble l'espace d'un instant. Ah oui, perdons-nous ensemble, les amis. Est-ce que tu peux me donner un... Pourquoi tant de gens ont-ils si peu? Ils ne devaient pas en être ainsi. Ah bah ça faut demander au duc Abel, hein, ce connard. Bon c'est parti, maintenant qu'on a la soluce pour le Veriogin Dosh, c'est parti. Alors, du coup, l'indice... Alors, la solution du Veriogin... Alors, le docteur... Alors, Marcola, c'est un pendentif. Finch, c'est un diamant. Winslow, une médaille de guerre. Natsu, une bague. Et Comté, une tabatière. Alors, Marcola, un pendentif. Et Finch, un diamant déjà. Marcola, un pendentif... Ah bah c'est écrit, oh merci le jeu, merci Marcolin un pendentif, merci. Oh putain, merci le jeu. Finch, c'est un diamant. Bah il était déjà dessus, alors j'avais qu'à... Merci le jeu est tellement gentil que je suis tellement un con. Dame Winslow, c'était une médaille. Alors attends, Winslow, c'était une médaille. Voilà. Et... Natsu c'était une bague, alors il faut que je mette ma Natsu. Alors je vous invite, alors je sais pas si vous avez trouvé la solution, si vous avez fait le jeu chez vous dans le dernier épisode. J'espère que vous avez trouvé la solution, si vous n'avez pas trouvé ce n'est pas grave. C'est quand même une énigme assez compliquée que moi je n'ai jamais compris. Mais pour ceux qui ont compris, qui ont réussi, je vous dis bravo, vous êtes plus intelligent que moi. Et bon après c'est pas non plus un truc de fou, hein. Tout le monde est plus intelligent que moi, mais vous êtes vraiment très intelligent, ça veut dire. Voilà. Une bague, voilà, excusez-moi, je dis conneries et je fais pas gaffe à ce que je fais. Et après, Comté. Ah bah il avait la tabatière, j'étais directement mis. Moi comme ça c'est fait. Le jeu a été gentil, il a mis des trucs à l'avance. C'était un bon tuyau. Parfait. Savoir que vous faites... Du coup vous pouvez faire le niveau très très vite si vous êtes intelligent. Et que vous pouvez aller directement ouvrir la porte sans aller plus loin. Alors, total de victimes 0, létalité, furtivité. Alors, il y a deux corps de détectés, je ne sais toujours pas comment, mais il y a eu deux corps de détectés. J'ai tout volé, à part un petit peu de pognon qui manque, je suis déçu. Et c'est parti pour la suite, allez voir Aramis Tilton, où là, apparemment, on va en savoir plus sur ce qui s'est passé. Comment, Delilah? Tout ce qui s'est passé, voilà. Il y a 3 ans, un étrange rituel impliquant Delilah Copperspoon et ses partisans a eu lieu au manoir d'Aramis Tilton. Une fois dans la maison, cherchait un maximum d'informations sur les secrets de Delilah. A savoir qu'Aramis Tilton, dans l'épisode précédent qu'on a vu, apparemment était un homme assez bon.
J'ai même trouvé un nœud de gra... un nœud de... un... Oh, attendez, excusez-moi, le mot était très très dur à prononcer dans ma bouche. J'ai même trouvé un audiographe avec une conversation qui avec les mineurs et il essayait de parler de la condition des mineurs. J'essaie de voir si je peux vous faire écouter. Normalement, je vais le retrouver facilement, mais apparemment, c'était un homme bon en tout cas. Apparemment, Aramis Seaton était un homme bon. Il s'est peut-être fait endoctriner par le duc Abel et toute sa clique. On ne sait pas. Étrange sensation que le temps qui passe. J'ai quitté Karnaca il y a des années, impatient de découvrir ce qui m'attendait à Dunwall. Je me souviens d'être tombé amoureux de Jessamine. Tu me tiens. D'avoir assisté à son couronnement. Comment elle est belle. Et puis la naissance d'Emily, la peste, la mort de Jessamine. Et un autre couronnement. Me revoilà maintenant dans ma ville natale. Le manoir de Stilton abrite un mystère, mais je suis prêt à le raser entièrement pour découvrir le secret de l'immortalité de Delilah et nous en débarrasser. Ah, pour ça, il faut aller chercher un bulldozer. Elle a peut-être su s'élever au-dessus de sa condition, mais j'ai passé l'âge d'avoir de la sympathie pour les tyrans et les sorcières. Tout ce que je veux, c'est mettre un terme au règne de Delilah et m'assurer qu'Emily est en sécurité. Une fois de plus. Ah oui, une fois de plus, on va la mettre en sécurité. On va surtout la rendre. Faut plus qu'elle soit statufiée. Voilà. C'est vraiment bizarre. Je sens comme un bouleversement soudain. Alors, comme on voit, ma barre de mana n'est pas active. Apparemment, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Cet endroit est riche en corruption. Elle t'appelle avec ses promesses de richesse et de pouvoir. La tentation est partout. Bon, par contre, ça devait être un bel endroit avant les ruines. Mais regardez, je peux pas. Cet endroit est maudit, poreux. Je sens le grand vide s'insinuer par une brèche. Je ne peux pas apparemment activer les pouvoirs et ça me perturbe quand c'est comme ça, moi. Est-ce une malédiction ou une chance de rester dans ce monde après sa mort? Ah, ouais, tu m'avais déjà dit ça. C'était plutôt une malédiction, j'avais dit. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver quand même l'audiographe. Audiographe. Alors, voyons voir. Je vois que tout le monde est prêt à commencer. Je vois que tout le monde est prêt à commencer. Ah bah voilà. Notre orateur de ce soir n'est autre qu'Aramis Seaton, le propriétaire des mines où ceux que vous aimez s'échinent à creuser la roche. Monsieur Stilton est reconnu pour sa bienveillance et sa réputation n'est pas usurpée. Cher Aramis Seaton, soyez le bienvenu sur la scène du comité familial des mines. Je vous dirais comme ça, vous. Chers ouvriers, chers habitants, merci de me recevoir. Ça connaît, tout notre dîner annuel est toujours une occasion spéciale. Et j'ai grand plaisir à raviver nos liens par le biais des conversations et des discours. Mon plus proche ami en ce monde, dont l'identité paraîtra évidente à certains d'entre vous, a dit un jour cette phrase. Adéra. Nous nous éveillons sous le même soleil, nous sentons le même vent sur nos visages, nous pêchons dans le même océan. Ces mots méritent de rester dans les mémoires, surtout prononcés par un homme si cher à mon cœur. Quand vous dînerez ce soir aux côtés de vos familles et c'est Stilton. De votre équipe, repensez à ces paroles. Et surtout, s'il vous plaît, passez un agréable moment. Vous l'avez tous bien mérité. Bon, quand même, comme vous voyez, c'est le bordel dans le château. Dans le manoir, et il y a pas mal de trucs à ramasser. Mais surtout, on a entendu qu'il y avait une voix. On va aller voir. Bon, là, je peux passer, c'est fermé. Passer de la nourriture en coup de vent, comme un mirage. Je pense qu'ils ont peur. Ok, alors attendez, parce que alors, du coup, on peut plus passer là. Et il faut que je trouve un autre endroit pour passer. Alors attendez, parce que je peux pas le voir. Il est là, il y a un. Nous allons pouvoir commencer. Il y a un trou ici. Du duc reviendra bientôt parmi nous. Faut que je passe au-dessus. Et apparemment, monsieur Aramis Stilton, apparemment, il a un grain. Parce qu'il parle tout seul. Et s'il a une double personnalité comme. Le manoir de Stilton. Avec une tour de couronne, je vais avoir peur. Et vous savez encore que je vais me perdre. Hein. Oh, il y avait un coffre ici. Qui a volé ça? Mais qui est le. Oh, franchement, ça se fait pas de voler les gens comme ça. Attendez au moins que je passe pour que je vole et après vous volez rien du tout derrière moi. Franchement c'est mal poli. Avec un visage. Bonjour monsieur Aramis Stilton. Très joli solo de piano, j'adore. Ah,
Vous faites un concert la prochaine fois? Tu veux bien souffler sur les braises, Théo? Ouh! Il y a 3 ans. Ah, bonjour. Le cerveau d'Aramis Tilton s'est détraqué subitement comme une vieille horloge. Une part de lui et une part de cette maison sont figées dans cet instant. La garde rapprochée du duc est toujours réunie ici, discutant des détails de son grand plan. Le plan de Delilah. Et une part d'Aramis Tilton demeure ici, suspendue. Le grand vide n'est pas vraiment un lieu. Et il est bien plus ancien et étrange que tu ne peux l'imaginer. Il t'observe de l'intérieur. Au cœur de la demeure de Stilton, le grand vide s'écoule par une brèche minuscule laissée par le petit tour de Delilah. Même la magie est pervertie ici. Et rien ne se déroule comme... Ouais, je vois, je peux plus utiliser mes pouvoirs que tu m'as passé en plus. Prends ceci. Imagine que c'est une sorte de pendule. Va et surveille le duc ça. Et Delilah. Regarde toi-même ce qu'ils ont fait. Ça, c'est stylé. C'est stylé que j'aime bien quand l'outsider il arrive dans le lieu et tout. Je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé cette mise en scène dans les débuts du jeu. Pourquoi à chaque fois on va dans le grand vide? Bon, après dans le Disneyland 1 on va dans le grand vide à un moment, mais il y a des fois à un moment quand on trouvait les hôtels de l'outsider, il apparaissait devant nous dans l'endroit. Et j'aurais bien voulu qu'il fasse ça quand on voit quand on prend les hôtels de l'outsider, qu'on apparaisse dans ces endroits là. Enfin, qu'il fasse une mise en scène comme ça, c'est dommage. Bon, bah, allez, c'est parti, on prend pardon le pendule qui ressemble à une putain d'oreille, un truc de lapin. Va faire froid tête de ce lapin. Soir. Et là, mesdames et messieurs, on arrive à un truc qui mérite, je le dis bien, qui mérite d'acheter le jeu. C'est la seule le seul bon point négatif qui me fait me dire que quand je joue à 19h02, ah, il y avait ça quand même, et ça, ça trouve le cul. Voilà, parce que bon, vous savez bien que Disneyland 2, l'histoire, je l'aime pas trop, mais parce que c'est personnel, elle est bien faite, elle est superbe, bien mise en scène, mais je peux pas, personnellement, voilà, personnellement, je ne peux pas, je n'y arrive pas, mais je dois leur avoir un truc, qu'ils ont fait un truc superbe, c'est le pendule. Le pendule, alors la pendule vous permet de voyager entre le passé et le présent. Maintenez L2 pour changer d'époque, appuyez sur carré pour plier et déplier les lentilles, affichant d'autres époques. Astuce, changer d'époque pour contourner les obstacles et échapper aux ennemis. Vous ne pouvez pas changer de destination si quelqu'un occupe l'emplacement de votre destination. Le temps continue toujours de s'écouler quelle que soit l'époque dans laquelle vous vous trouvez. Les changements effectués dans le passé se récupéreront dans le présent. Nous sommes sur retour vers le futur, mesdames, messieurs, mais sans la DeLorean. Mais bon, on peut pas voir tout non plus. Alors juste avant de prendre le pendule, du coup, comme je peux pas utiliser mes pouvoirs, on va utiliser le pendule, on va prendre à la place du pouvoir d'arrêter le temps. Voilà, comme ça, je peux l'activer. Il y a des baleines dans les entrailles de la mine. Je les entends. Elles se parlent la nuit comme des titans boursouflés. Je peux pas lui parler. Il faudrait que je fasse un peu de ménage, ou je ne serai jamais accepté dans la haute société. Oh bah merci pour le... Les gens respectables. Ça c'est pour moi, merci. Y a-t-il eu une catastrophe à la mine? Je vois le duc et un lac en pleine nuit. Mais il se remémore le père, pas le fils. Et hop, là je déplie, et comme vous pouvez le voir, ça me montre le passé. Vous voyez à travers le petit écran le passé. Et ça, mais c'est un putain de gameplay, mais de fou qu'ils ont inventé. Mais je trouve ça un truc de génie. Allez, c'est parti. On va partir dans le passé. C'est parti, Marty. Nom de Zeus. Le duc a exigé des rafraîchissements, mais je ne peux pas entrer sans la combinaison. J'ai laissé une note sur la porte, capitaine Windelbon. Quoi? Il est derrière. C'est la combinaison du bureau qu'il me faut. Elle est dans son carnet, capitaine, mais il s'en sépare jamais. Merci, caporal. Je vais être franche avec vous, je n'aime pas beaucoup les invités de Stilton. Faut trouver la combinaison du bureau. Je me suis fait remonter les bretelles par la conservatrice royale. Comment elle s'appelle déjà? Je présume que vous parlez de la jeune Brenna Ashworth. Oui, c'est ça. Pas commode. Ah, Brenna, tiens. Avant qu'elle vienne une sorcière. Bon travail, continue comme ça. Merci, capitaine. Bon, comme vous voyez, nous sommes maintenant dans le passé.
Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs, ce qui va me perturber. Vous savez que quand j'ai pas mes pouvoirs, je suis perturbé. Déjà, quand j'ai mes pouvoirs, je suis un petit peu perturbé. Mais quand j'ai pas mes pouvoirs, je suis encore plus perturbé. Du coup, ça va être la panique totale. Je vais sûrement faire plein de conneries. En plus, il faut ramasser en même temps dans le passé et dans le futur. Enfin, dans le passé, dans le présent plutôt, parce que c'est pas le futur. Enfin, là, on est dans le futur, parce que c'est. Enfin, pour nous, c'est le présent, le futur. Mais en fait, pour eux, c'est le futur, le présent. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte ou pas? Et ben, en tout cas, il y a des runes et des chermedoses dans le présent. Le seul moyen de m'en sortir, c'est de revenir au présent avec cette pendule. Et là, je trouve ça que c'est vraiment intelligent ce qu'ils ont fait de pouvoir. Il faut jouer avec le présent, le futur et tout. Et franchement, ce moment-là du jeu, je le préfère. Voilà, vous allez peut-être me trouver un peu stupide. Oula, à moi la boîte à bijoux. Un peu stupide et tout ça, mais bon, alors c'est fermé. Du coup, maintenant, il faut que je passe. Est-ce que si je me mets dans le présent ici. Alors, déjà, attends, est-ce que je peux avoir des infos sur le lieu, tiens? Nous approchons d'une chose familière et inconnue à la fois. J'ai peur. Alors, hop, je retourne dans le présent. Du coup, dans le présent, ça m'amène ici, toujours là avec Stilton. Le temps s'écoule entre les fissures des murs. Et il se répand sur mon tapis. Il se répand sur son beau tapis. Ok. Alors, attendez, parce que déjà que vous savez que je me perds facilement. Ah, d'accord, alors déjà, là, je suis passé derrière la porte. Et normalement, ouais, alors là, je suis derrière la porte, il n'y a personne devant moi. Je regarde grâce à l'aide du petit, la petite lentille. Dites à l'impératrice que le duc est en train de déterrer des cadavres dans le jardin et qu'il a appris à chanter aussi. Elle comprendra. Ok, d'accord. On va essayer de comprendre. Voilà, déjà j'ai réussi à quitter la pièce. Oh, par contre, sans mon pouvoir, ça me perturbe. Oh, mais c'est à moi le pognon. Le pognon que je vole dans le tout ce que je fais bien évidemment dans le passé se répercute après dans le présent ou dans le futur, enfin ça dépend où vous êtes, voilà. C'est compliqué hein, les voyages temporels. Le duc est dans le bureau avec certains des autres invités. Veillez à ce qu'il ne manque de rien. Si vous avez besoin de moi, je serai dans l'arrière-cour. J'ai besoin de me vider la tête avant de les rejoindre. S'il vous faut le nouveau code du bureau, il est dans mon carnet. Venez me trouver, Stilton. Du coup, il faut trouver le carnet pour aller dans le bureau de Stilton. Parce qu'apparemment, c'est là que tout se passe. Alors là, nous voyons le présent. Stilton avait bon goût avant de perdre complètement la tête. Oh, ah, moi, la petite bourse. Bah, apparemment, il était sympa et ça me dégoûte un peu pour ce personnage qui avait l'air sympa. Et j'aime bien le combien de doublage qui joue. Ah, il y a un monsieur là. Je ferme la porte. Et si je ferme la porte, est-ce qu'il me voit? Un seul plateau. Il croit que j'ai combien de bras? Il va falloir se faufiler. Monsieur Stilton a encore donné un service en argent entier l'autre jour. Les mineurs et leurs familles ne seront jamais satisfaits pour eux. J'aime pas ça. Je vais regarder par ici. Ah merde, il m'a découvert. Voyez voir, regardez, il m'a découvert et le temps continue à chercher. Il essaie de me trouver. J'ai fait des conneries. Je croyais que la porte. Vous pouvez me cacher, mais vu que la porte, elle a des... elle est un petit peu un peu en vert à moitié, du coup, ils peuvent être à l'envers. Mais de voir, on se dit peut-être que l'IA, elle est un peu conne. J'ai sous-estimé l'IA. Alors, du coup... Entre nous, je me demande pourquoi Stilton essaie d'impressionner des gens comme le duc et cette conservatrice. Il vaut beaucoup mieux qu'eux. Hop là. Elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. Du coup, maintenant, je suis dans une partie que je ne pourrais pas atteindre dans le présent. Comme vous voyez, c'était bloqué ici. Et c'est ça. D'accord, il y a des carreaux d'arbalète qui traînent là. Ok. Ok, alors maintenant, on va essayer de jouer avec le présent et le futur. Le présent et le passé. Espèce de con. Snake. Concentre-toi un peu. Ok, alors déjà. Hop. Ah, je peux pas ouvrir ici. Je peux passer au-dessus, je crois. Ouais, je peux passer au-dessus. Hop, attendez, je passe, excusez-moi. Rien d'intéressant ici. Ah putain, je peux pas mettre... Oh là! J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Oh là, ce monsieur-là ne se sent pas très bien apparemment. Attendez, il y avait quelqu'un, il y avait quelque chose qui m'a vu.
Je sais c'est quoi en plus, je sais c'est qui. Enfin je sais c'est quoi surtout. Mais je sais, je le vois pas. Je l'entends, ah il est là. C'était un chien, c'est un crétin de Molos. En plus là j'ai pas mes pouvoirs. Oh putain c'est stressant. Je stresse avec un chien. Alors imaginez pour le reste les gens. Saloperie. Voilà. On crève un peu. Voilà, merci. Ouf, un chien au moins déjà. Heureusement que j'ai le truc pour qu'ils puissent pas me repérer avec leur odorat. Même si j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Du coup, on retourne dans le passé. On vole un petit peu ça parce que voilà, on est dans le garde-manger. Ah, du coup, voilà, là c'est fermé. Il fallait que je passe par là. Oh, il y a des carreaux d'arbalète, ok. Ah oui, attendez, avant juste de reprendre, je voulais mettre un pouvoir. C'est le pouvoir de force, j'augmente ma force. On va l'utiliser. Parce que je peux lancer des objets de plus loin, mais maintenant aussi, apparemment, ça me permet également d'assommer les ennemis en leur lançant un objet à la tête, même en combat. Et votre force manque considérablement par exemple de détruire les portes, les bois fragiles avec votre épée. Attention, cette action est bruyante. Et on peut même détruire maintenant les portes avec notre épée. Voilà, je voulais juste m'acheter ça. On retourne maintenant dans le présent. Excusez-moi, monsieur. Et du coup, voilà. Alors déjà, il y a des gens ici. On va se cacher ici. Stilton est bizarre aujourd'hui. Il passe son temps à regarder dans le vide. Je crois que Stilton n'est pas en très bon terme avec le duc. Oui, mais c'est pas comme d'habitude. Stilton a l'air d'avoir peur. Je vous laisse chier en faisant pause. Fais attention là-haut. Le balcon n'a pas encore été réparé. Si les poutres cèdent, je suis pas sûr de pouvoir rattraper tes grosses fesses au vol. Je compte sur vous, chef. Ça pourrait être romantique. Très bien. Très bien. Ok, je veux bien me casser la gueule. Y a pas de souci. Alors, y a quelqu'un ici. J'aurais bien essayé le truc de lancer un truc sur les gens. J'en ai encore pour combien. Mais est-ce qu'il y a un truc qui peut assommer? Est-ce que j'ai lancé un verre dans la gueule, ça assomme? Attendez, est-ce qu'il y a une dame là? Ça sent la pisse. Quel oh mademoiselle, vous avez un joli fessier. Alors excusez-moi, je vais vous en faire voilà, hop, sur le canapé. Voilà, on va croire qu'elle a fait dodo. Alors du coup, il faut casser. Apparemment, il faut que je pète ça. Ah oh, bah tiens, il y a un mot là. Juste un avertissement, le balcon est à deux doigts de tomber, alors la touchez pas et vous n'en penchez même pas. Surtout, touchez pas au renfort que j'ai installé, c'est juste que pour dépanner, il risque de se casser la gueule au moindre contact. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui va venir le réparer cordialement dans une semaine. Cordialement, James. Bon, du coup, ils ont réussi à réparer, du coup, faut que je le pète, moi. Faut que je le pète. Alors, s'il faut que je le pète. Alors du coup on va changer mes raccourcis. Du coup j'ai pas besoin de la vision des ténèbres parce que je peux pas l'utiliser. On va prendre un carreau anesthésiant et un carreau normal. Hop là. Et je vais utiliser tout de suite pour péter ça. Quelqu'un nous dit ça vient là-bas. Et du coup on revient dans le présent. Et il s'est pété la gueule. D'accord, ok. Bah j'espère que j'ai tué personne comme ça en faisant ça. On est remonté là-haut. Ah, il y a un monsieur là, bonjour. Heureusement, il ne me voit pas. Est-ce que... Voilà, je peux me mettre dans son dos, ça va. Bon, bah, écoutez, il est offert, gratos. Allez, un petit bisou. Mouah. Un petit bisou du monsieur du futur. De livres dans son bureau. Stilton, il en a jamais lu un seul. C'est juste pour les apparences. Merde, j'ai pété le truc. De bouquins, si c'est pas pour les... Ça va, ça l'a pas tué. C'est des symboles de richesse et de bonne éducation. Allez, retourne à ton poste. Viens ici. Oui, chef. Rien, rien du tout. Merde. Bon, ils sont encore en train de chercher le mec qui a tiré pour péter les machins. Bon, lui, ça va. C'est bon? Oh, c'est bon. Ok, il y a une demoiselle ici. Oula. Comment est-ce qu'ils ont pu laisser quelqu'un voler une cargaison entière d'huile de baleine? Juste sous leur nez. Quelle bande de crétins. Ah, merde, il me voit. Allez, oust, va-t'en. Pchit, vilain garde.
En même temps, je suis con. Je devrais utiliser ça. Voilà. Je fais ça. Je me mets dans son dos. Ah, bah, il va de ce côté-là. Voilà. Je lui fais un câlin. Oh, heureusement que quand même, j'ai les charmes d'os pour aller plus vite. Hein. Oula, putain, je pète tout. Je l'ai pas tué. J'ai tué personne. C'est bon. Ça va, parce que des fois, il suffit qu'ils aient ça dans la gueule. Et ils peuvent mourir. Oh, mademoiselle. Oula, oh, pardon. Oula, oula, oula. Hein? Non, mais il n'y a personne. Oh, je suis fatigué. Je suis à un gars. Je fais le tour de la maison. Non, vous m'avez pas vu, c'est pas vrai. Par contre, votre coupe de merde, excusez-moi de vous le dire, mais vous avez une coupe de merde. Hein. Ouais, franchement, c'est une coupe à la garçon manqué. Alors, du coup, là, je suis ok. Ouh. Le grondement Oh putain, ça existe comme mot. Caternionique du tourmenteur. Je veux bien que quelqu'un m'explique dans les commentaires ce que veut dire caternionique. Hein. Alors, le tourmenteur, on l'avait vu dans Dishonored 1. Il avait un peu aussi des pouvoirs d'Icider avec un molos, notamment dans Dunwall Tower. Hop, du coup. Bon, bah, je ramasse ça. Du coup. Ok, y'a rien. Y'a rien. Je pète ça parce que j'ai envie de péter ça. Papillon, on ouvre la porte et nous arrivons dans le couloir. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a de l'argent? Parce que maintenant que je peux pas utiliser le pouvoir de House Dice, la vision des ténèbres, je peux pas repérer le pognon. J'ai pas le truc de pognon. Par contre, il y a du pognon dans le présent. Voilà. Comme vous voyez dans le présent, hein, c'est pas la même chose. Hein. Ici, il y a un livre là, si vous voulez lire. La mouche. Bon, la mouche, le film. Ils avaient déjà prévu la mouche, le film et tout. Bon, je peux pas ouvrir cette porte, je suppose. Ah si. Oh mon dieu. J'ai pas envie d'y aller. En plus, je suis sûr. Ah ouais, en plus, il y a des. Je me rappelle ici, il y a des gardes. Il y a des infectés. Oh, oh putain, mais quelqu'un water. Oh, 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 d'accord, ok, je me suis fait repérer direct. Ah, oh, on me dit, alors j'aime bien. Bah oui, mais, bah oui, elle est désinfectée, Snake. Et tu te mets devant lui. Putain, mais je l'ai pas entendu. Je sais pas si vous l'avez entendu, vous, mais moi je l'ai pas entendu une seule fois. Bon, cette fois-ci, je fais la sauvegarde de la lâcheté. Hein, pour essayer de recommencer moins loin. Je vais faire gaffe, il est où ce con. Il est là. Du coup, il faut que j'essaye de le mettre KO. Je vais m'occuper des mouches de sang là, parce qu'il y a. Oulala. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Un petit câlin. Voilà, je t'emmène loin des mouches de sang, sinon elles vont te piquer, elles vont te tuer. Hein. J'ai déjà eu l'expérience moult fois, on se rappelle. Voilà, je vais pas redire. Du coup, ça c'est bon. Lui, il est bon, il est KO. Du coup, oh putain, mais c'est une vraie. C'est un vrai mi. C'est un nid de mouches de sang, quoi. Bah, du coup, c'est parti. Allez, comme dirait Johnny, allumez le feu. Voilà, parfait. Man, déjà, hop, ça de fait. Mais prends-le. Merci. On peut aussi casser ça, il n'y a personne autour. Il n'y a pas de mouche de sang autour. Les événements semblent rattachés à un point précis du temps. Est-ce qu'il y a. Faut que je fasse gaffe à pas tuer un infecté quand même. Allumer le feu. C'est bon. Ah non. Oula, 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 oula. Quelque chose vous agace. Si je reviens ici, il y a des gens où. Ce serait mieux si on pouvait ouvrir la porte et se rapprocher un peu. Ah bah. T'es sûr qu'elle marche pas, la combinaison que t'avais vue? J'ai vu le carnet de Stilton le mois dernier, mais depuis, il a sûrement changé la combinaison. Merde. Ok, ces gens-là qui partent. Le bureau est là. Foutent. Arrête! Quelqu'un pourrait débarquer. Oh, j'ai tout fait. Oh, ça va. Pour une fois qu'il y a. Putain, mais il seul, il bouge pas lui. Si une bande d'aristocrates a viné sur une petite orgie, je peux bien me rincer l'œil. Oui, il veut se rincer l'œil, le cochon. Il y a une orgie qui se passe, je dois aller voir aussi. Avec une table ronde et des bougies. Stilton a invité cet excentrique du conservatoire royal, Brenna Ashworth.
Merde, j'ai entendu quelque chose. On dégage. Ah, c'est pas moi, j'ai pas pété. Putain. Il y a quelqu'un ? Hop, c'est pas moi. Oula. Ah, je suis bloqué. Oh putain. Oh, il m'a presque vu. Merde-toi. Putain, il est chiant, il veut pas se barrer. Bon, attends, on va faire le tour. Oh, mais attends, j'ai piqué ça, moi. Alors, du coup, il est là. Là, c'est pour aller où? La combinaison, hein, il me faut la combinaison. Ok. Ouh, mais il y a un monsieur ici. Il y a un monsieur ici. Ok, la combinaison, elle est... C'est pour aller chercher la combinaison, là? Ou c'est pour... Oh là, oh là. Si je saute comme ça, est-ce que je peux atterrir derrière? Attendez, est-ce qu'on va attendre que ce monsieur à droite là passe? Partir, part, voilà. Voilà, ça c'est fait. Allez, à l'arrière-cour de Stilton. Oui. J'y vais, je vais aller chercher la combinaison. C'était bien par là. Ouh, j'ai eu un petit doute. Ouh, c'était chaud. En tout cas, vous avez vu comme j'ai sauté par-dessus le ancien nid de frelon et je suis passé derrière le dos du garde. Et ça, c'est plutôt bien joué. J'aurais pu le mettre KO, mais je savais pas trop le cacher après. c'est ça le truc, je sais pas trop le cacher, le monsieur que j'aurais mis KO. Je me demande si j'aurais pu le prendre sur moi et rentrer et le mettre dans l'autre pièce. J'aurais peut-être pu faire ça, en fait. Mais je sais pas, oui, je sais pas. Peut-être. Arrière-cour. Ok, je suis ici. Ah oh bah y a... Oh putain. Y a un monsieur ici, il cherchait ses clés. Mais non, mais t'as rien vu, c'est pas vrai. J'ai dit que t'as rien vu. Pas possible cette histoire. Voilà. Reva sur ton siège et fais dodo. Regarde, voilà. Oh d'accord, il cherchait son portefeuille, il était juste... Une cargaison entière d'huile de baleine. Petite poire. J'aime bien les poires. C'est bon les poires. C'est pas si mal de travail. La grande garde devait protéger Stilton à l'époque. Ouais. Je vois ça. Je vois ça qu'il y a du monde. Je vois ça qu'il y a du peuple. Ah, voilà. Oh, voilà Rami Stilton dans ses beaux jours. Hein. Parce que dans le présent, c'est pas comme ça qu'il est le monsieur. Mais attendez, parce que là j'ai... Ouya, putain de nid où je sens dans le présent. J'ai pas envie... En fait, je préfère rester dans le passé, personnellement, parce que le... Comment dire le présent, c'est la merde. C'est la merde. Surtout qu'après, je peux peut-être sauver Jessamine. Oh oui. Je sauve Jessamine. Et puis voilà. Et puis je suis trop fort, je suis trop balèze. Et Jessamine est encore en vie. Emily est grandi avec sa mère. Oh, ce serait trop magnifique. Pardon, excusez-moi. Il faut pas changer le passé. Je sais, c'est pas bien. Mais oh, c'est pour Jessamine. J'ai envie de tomber sur cet homme. Ah, mais il y a un garde qui regarde. Il y a un garde qui regarde ici. Une gardesse, même. Une gardesse. Il y a du pognon. Bon, alors attendez, parce que maintenant il faut que je passe, du coup faut que je me mette dans le présent, parce que si je passe là, ça va être chaud. Aïe. Allez. Oula, il y a des chiens, il y a des molos. Allumez-le. C'est pas possible d'être aussi nul. Allumez le feu. Mais quel con, comment j'ai fait pour louper ces putains de trucs. Bon, en tout cas, ça c'est fait, ça c'est fini, a pu. Et du coup, il y a des chiens. Il y a un chien là. Oh, mais attendez. Je suis con, j'ai mes carreaux. Dans la tête, il est mort le chien. A plus de chien. A finito la comédie. C'est bien. C'est bien qu'on peut tuer les chiens. Ça te donne pas de mauvais chaos. Ça, c'est bien ça. Quand ça approuve cette vidéo, mettez un pouce bleu. Il y a 400 oh là. Il m'a vu. Genre il m'a vu. Je sais qu'il y a un ralenti si je fais. Ah putain, je visais la tête quand même. Mais après j'ai des carreaux renforcés.
Ça va peut-être le tuer instantanément. Il est parti où, ce coup? Il est où? Allô? Eh oh, rentre en plan! Ah! Merde! Oh bon, putain! Bon, bah, je l'ai eu. Merde. Combat, oui, bah c'est mal. Je suis fait repérer. Mais après, est-ce que se faire repérer par un chien, c'est vraiment se faire repérer? Katz vous dirait bien que non. Et putain, ça a sauvegardé, ça fait une sauvegarde auto que je voulais pas. Et bah, je vais prendre cette sauvegarde auto là. Bon, Katz vous dirait, mais tu te fais repérer par un chien, mais les chiens ça compte pas, c'est des crétins de chiens. Oui, mais j'ai un problème, c'est que je veux être furtif à fond et ne pas me faire repérer. Et même si c'est un chien qui me repère, ça me perturbe. Après, on dira ce n'est que t'es trop nul. Franchement, t'es pourri. Oula, attendez. Bon, j'avais pas vu ces petites pièces la dernière fois. Bon, alors cette fois-ci, comme ça, au moins, je vais pas louper mon tir. Ah, attends, destination bloquée. Comment ça, destination bloquée? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah, d'accord, parce que là, il y a un truc. Il y avait un meuble qui détombe. Voilà. Ça s'est brûlé, ça s'est fini. Du coup, non, le carreau normal que je voulais. Il se gratte les couilles ou c'est moi? Attends. Bon, ça l'a tué. Ça t'achetait bien, ça l'a tué. Ça fait chier parce que je crois qu'il y a normalement un petit ralenti quand tu tires bien dans la tête de loin. Et j'ai pas réussi à vous le faire parce que ça aurait été stylé de vous le faire quand même, de vous le montrer. Faire ouais, Snake pour une fois il vise bien et tout. Hashtag il va neiger. Ah mais il est chiant lui aussi, regardez il se barre. Bon, en même temps vous allez me dire il a vu son copain chien. Oh dans le cucu. Allez dans le cucu. Voilà comme ça on dirait qu'ils s'enfilent tous les deux. Écoutez l'amour entre chiens, ça se commande pas. Ah oh, si je pouvais lui tomber dessus. Oui. Yeah. Putain il y a même pas eu un bris quoi. Oula. Ah. Ah, ça l'a pas détruit, genre je crois que ça allait détruire. En remède. Oh putain, ça a pas tué les mouches qui étaient en haut. Merde, attendez, faut que je remonte, s'il vous plaît. Attends, je vais essayer, peut-être que je vais pouvoir récupérer mes carreaux. Oh putain, tu m'as fait peur. Non, pas de carreaux à ramasser, mais super, merci. Oh, elle est dégueulasse la fontaine. Ah, je préfère. Oh oui, je préfère là. Bon, là, attendez, parce que là. Ouh là. Aïe, 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 aïe. Ah, il faudrait que je puisse me transformer. Attendez, il faut que je switch entre le présent et le futur. Et le... Oh là là, ça va être chaud. Hop. Hop là, je l'ai eu. Ouh, putain. Bon bah je vous laisse lire hein, je vais pas lire tout ça. Ouh. Voilà le carnet. Hop là. Bon par contre je coupe la parole mais désolé je vais pas rester C'est bon. C'est bon, en tout cas j'ai le code. Lucas dépassera les bornes. J'espère que je serai encore là pour le voir. On voit pas. Pardonne-moi Théo. Est-ce que je peux le mettre KO ou pas? Un petit câlin, Aram. C'est pour vous empêcher de voir ce qui va vous faire sombrer dans la folie. Ah, oh, je peux le neutraliser. J'étais pas sûr. Du coup. J'ai assommé Stilton. Je me demande ce qui va changer dans le présent. Ouais. L'impératrice? Quel crétin. Ben, il va faire dodo là, le monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Merde, mais non, parce que j'étais bloqué, genre il y avait un truc qui me bloquait, c'était la. Oh mais j'avais fait un sommet Stilton. Je me demande ce qui va changer dans le présent. Ah bah il y a des gens apparemment. Ah voilà, ah bah alors j'allais vous en parler justement, c'est qu'en fait on peut changer le présent, le passé pardon, comme je vous ai dit. Et en revenant au présent, bah ça a changé. Et moi, quand je l'ai fait en mode bourrin en tuant tout le monde, bah j'ai tué Armie Stilton pour voir ce que ça faisait. Et il y a un autre truc très bien fait, c'est que ça change carrément toute la map.
Et c'est pas mal. On a noté la combinaison dans ce carnet. Hop là, on se remet. Voilà. Alors j'hésite à le mettre KO ou pas. Parce qu'en fait il y a des mouches de sang qui donnent des ambres rouges, mais qui sont super chiantes. Les mouches de sang c'est super chiant. Et ça me donne des ambres rouges et ça me donne du pognon du coup. Et mais en même temps ça pourrait m'aider. En même temps si je tire si je mets KO à Armistilton, ça peut changer le présent. Et il y a plein de mouches de sang partout. Oh là là, Snake, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que j'avais le pouvoir de... Vous voyez, je suis perdu. Je croyais que j'avais le pouvoir de pouvoir me déplacer. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Parce que moi en off, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les charmes d'os, les runes et tout. Me promener dans tout le manoir. Parce que bon, je vais pas vous montrer le manoir, mais il est super géant, il est grand. Comme vous avez pu le voir. Et du coup je vais pas faire chaque endroit, parce que bon le plus intéressant c'était de récupérer la combinaison de la porte pour pouvoir aller dans le bureau de Stilton et tout ça et comprendre ce qui s'est passé avec Brenna à Schwerps. Mais vous noterez que ça change carrément le passé si je mets à Stilton KO. Parce que en fait je pensais que si je mettais Stilton KO ça allait rien changer, parce que vu qu'ils sont endormis, bon bah il y a juste un mec avec un masque qui l'a endormi, il va pas se poser plus de questions que ça. Et du coup je pensais pas que le présent allait changer. Je pensais que s'il y a que si on le tue vraiment que ça changeait. Mais apparemment si tu le tues pas non, ça change aussi. Et ça c'est pas mal du coup de savoir que ça change. Du coup bah, on va voir ce que ça donne quand ça a changé, s'il y a, parce qu'on a vu qu'il y avait une petite dame tout à l'heure quand on est rentré dans le présent qui nous a dit oh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce monsieur, alors qu'il y avait personne là, que c'est en ruine, il y a des mouches de sang partout. Voilà, c'est un gameplay très intéressant. Excusez-moi, j'en parle pendant des heures, mais je trouve que c'est un truc de fou, parce qu'en fait vous refaites la map trois fois si vous voulez. Une première fois là le présent comme on voit avec les mouches de sang, une deuxième fois vous allez dans le passé et tout a changé, il y a des gardes tout ça, et une troisième fois si vous Aramis Tittle vous mettez KO, ça rechange encore le manoir. Vous allez voir que tout va changer, ça va plus être pareil. Il y aura... Déjà, il n'y a plus de mouches de sang, je vous spoil, mais bon, c'est clair qu'il n'y a plus de mouches de sang, quoi. Vous avez vu qu'il y avait une dame qui se promenait là, si elle ne va pas se promener, s'il y avait des mouches de sang. Voilà. Bon, bah, alors, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. On se retrouve pour le prochain épisode. Et moi, pendant ce temps, je vais tout fouiller. Je vais tout fouiller. Et prendre tout ce qu'il faut, voilà. Me promener dans le manoir. Voilà. Et on se reverra devant la porte pour aller dans le bureau de Stilton. Voilà, j'ai parlé pendant des heures encore pour rien dire. Salut tout le monde et portez-vous bien!